Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas. On se retrouve, on est dimanche 18 décembre et on va faire simple aujourd'hui. On va pas répondre à une question parce que, enfin, je ne vais pas répondre à une question parce que il n'y en a plus beaucoup et comme c'est dimanche, ça me fera. Oh, j'espère que mon nez va se déboucher. Je suis vraiment désolée. Ça allait mieux et bien sûr, au moment où j'y arrive, c'est reparti. Alors, je suis désolée encore une fois pour ma voix qui parle clairement du nez, mais c'est comme ça. Et on va donc ouvrir tranquillou les petits cadeaux du dimanche, qui sont pas du tout petits. Aujourd'hui, on ouvre le cadeau de Anne-Sophie. Et je vous dis juste que je porte le mascotte que vous voyez sur l'envers. Oui. Alors, mascotte que j'ai fait il y a très longtemps, qui était super à la mode à l'époque. Et c'est aussi un pull fait main, évidemment, c'est beaucoup ça. Et ça, c'était un patron que je m'étais fait à moi, et que j'ai jamais écrit. Et je n'écrirai pas les patrons de mes pulls, ni du cache-cœur, ni de rien du tout, parce que je m'en sens pas du tout capable pour l'instant. Donc, c'est pas du tout à l'ordre du jour, ni programmé, ça pour le coup. Pour bientôt. Alors, j'espère qu'il y a assez de lumière. C'est l'après-midi, on est en début d'après-midi, donc. Je fais tranquillou, je préfère ce cadre, donc je vais faire comme ça. Je vous montre le colis. Et quelle affaire ce colis, parce que Anne-Sophie a eu une petite frayeur avec le suivi à un moment. Il était perdu, le colis. Et je lui dis, attends, ne le cherche plus. En fait, il venait d'arriver à la maison. C'était rigolo. Je vais pas pouvoir m'empêcher d'essayer de me coiffer quand même. J'ai pas vraiment pris le temps de faire de mise en beauté, ni de faire quoi que ce soit de sympa aujourd'hui, parce que c'était gros ménage à la maison. Quand il est motivé, j'en profite, parce que hier, il n'y avait pas trop d'énergie à la maison. On a passé encore une nuit abominable, mais aujourd'hui, Alma n'a quasiment pas toussé, donc c'est fantastique. Par contre, cette nuit, entre moi et elle, ça a vraiment été cauchemardesque. Donc, voilà, je viens l'après-midi aujourd'hui. Regardez-moi ce beau scotch à ouvrir quand les cadeaux seront déballés. Voilà, les instructions, c'est les instructions, donc j'arrête. Et donc ce colis est arrivé et oh, alors je regardais du coup, il y a des petites choses, je vois comme ça, magnifique. Alors il y a ça, et je raffole de ces motifs. Ces motifs de maison type, vous savez, un petit peu Amsterdam, là. Je raffole de ça. Sous toutes ses formes. Illustrations, dessins, broches. Oh là là, regardez. Il y a de la céramique, là. Que c'est beau. J'adore. Et alors, donc, ce colis est arrivé. Et Anne-Sophie m'a dit, il faut que quelqu'un chez toi ouvre, vérifie que rien n'est cassé. Et réemballe tout. Il y a un tissu qui est prévu pour tout réemballer. Et là, je vois que le tissu, ça doit être ça. Mais mon mec est tellement à même et toujours ravi de me rendre service. Désolée chérie, hein, mais enfin bon, c'est vrai. Donc, un très 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 joli tissu qui a été fait pour emballer le truc. Et il n'écoute rien de ce que je lui dis. Déjà, il lui a fallu 48 heures pour se pousser à ouvrir le colis et tout vérifier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que du coup, j'étais pas dans la pièce. Je lui ai dit, non, mais moi, je veux pas me pourrir la surprise. Donc, tu fais ce que je te demande. J'aurais dû demander à mon papa. Voilà, il aurait fait ça gentiment. Il aurait essayé de comprendre. Et alors, il y a ça. Alors, pareil, la fille est complètement gaga. Oui, ben oui, les emballages, c'est important. Regardez-moi la beauté de cet emballage. C'est plein de petites sorcières. J'adore. Et alors, il y a marqué librairie, l'autre rive, Nancy, parce qu'elle est de Nancy. Donc déjà, il y a deux paquets. Et donc, quelque chose de très fragile là-dedans. Est-ce qu'on va commencer par ça? Oui, parce que vraiment, je brûle d'impatience. Oh là 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 là. D'accord. On est effectivement sur de la céramique, donc dans le ton de la petite accroche que j'ai vue là. Alors on a un deuxième.
rajouter un troisième élément. Alors, sachant que mon mec m'a dit, mais cette personne te connaît bien parce que c'est un truc hyper fragile pour toi. Il est vilain, il est vilain. Parce qu'en fait, effectivement, je suis très maladroite. Et je tiens ça de ma mère, comme ça je balance. Donc on a trois comme ça. Un champignon. Vous allez bien voir, j'espère quand même. Oh là 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 là. Bon, alors c'est une œuvre d'art qui se profile à l'horizon. Un deuxième champignon. Énorme. Et ça en impose, moi je vous le dis. Alors. Un troisième champignon. On est sur du papa-maman bébé champignon. C'est magnifique. Alors ça c'est très lisse. On le voit, hein, ça brille. Et ça c'est plus nature. Magnifique. Ils ont de la gueule. Hein. Alors, trois champignons. Et trois ronds avec des trous. On est bon? Il m'a dit qu'il avait fait en sorte que ça se touche plus trop. Hop. On est bon. On est bon. Alors, est-ce que j'ouvre maintenant ceci? Oui. Je suis toute seule, c'est bien parce que comme ça je fais les questions et les réponses. Je vais essayer de me garder un peu de ce tissu, cet emballage magnifique. Attendez, du coup, je fais tout doucement avec le scotch. Ces motifs, c'est génial. Et il y a une couverture un peu maison comme ça qui est passée à l'époque sur les eaux. Je sais pas si j'arriverai à la retrouver. Je m'étais dit, oh là 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 là, j'adorerais avoir ça dans ma roulotte. Des bergamotes de Nancy. Oh là là, j'en mangeais. Mais quand est-ce que je mangeais ça? Je me revois manger ces trucs. Quelqu'un avait dû m'en offrir. Il faut savoir que bergamote, c'est vraiment un goût que j'adore et une odeur que j'adore. Une fois, on m'a offert un coffret de bougies à la bergamote. Oh là là, le bonheur. Alors ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Bergamote de Nancy. J'ai vu un petit truc passer par là, non? Je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que... Elle va me donner des indices parce que ça me dit bien un truc. Je sais pas. Est-ce que ça va avec les champignons? Je ne sais pas. Bon, je vais ouvrir la lettre parce que j'ai dans l'idée en fait que l'autre petit colis est peut-être pour Alma. Je suis désolée de parler du nez comme ça. Il me semble que je parlais pas du nez avant. Mais il y a un truc avec la caméra. Oh là là, la carte est canonissime. Oh, j'adore. Et alors j'ai réalisé tout à l'heure que je vous ai pas montré les trucs qu'on avait pu acheter pour Noël. Les jolies choses qu'on avait pu trouver et que je voulais vous montrer. Donc je trouverai un moment cette semaine où Alma dormira pour vous les montrer. J'en étais sûre. C'est elle qui a tout fait. Elle fait un cours de céramique. Donc j'en étais sûre. Alors. Ah ben, j'aime bien quand je lis les cartes après coup parce que au moins vous avez ma réaction sans votre lecture à vous. Et comme ça se recoupe souvent, je trouve ça plaisant, ça me fait plaisir. Alors attendez, mais c'est du coup que vous avez vu sur la télé. Alors, chère Claire, trois petits champignons, deux adultes et un enfant. Qu'est-ce que je disais? Papa, maman, bébé. Ah, pour garnir tes plantations en pot. C'est trop Alors, je vais quand même lui demander. Enfin, disons que c'est pas un truc qui reste en. Qui reste dehors en hiver. Oh là là, mais ça va être trop canon. Je pense à mes pots sur la terrasse parce que on a deux gros pots sur la terrasse, un palmier. Alors normalement j'ai planté des tulipes, mais généralement je plante des trucs en dessous. Et cette année j'avais mis des soucis et ça n'a pas du tout marché. Mes soucis ont été tout malades cette année. Des soucis malades, faut le faire.
Et sur la terrasse, ça pourrait être vraiment canon. Justement, sous le palmier, ça pourrait rendre quelque chose. Parce que l'autre gros pot, c'est les fraises. Et donc, les fraises, peut-être, ce ne sera pas le top. Quoique, les fraises, ça ne monte pas bien haut. Non, ça rendra mieux sur. Parce que comme ça, je peux en profiter si c'est sur la terrasse. Parce que dans la maison, ils sont quand même imposants. Et j'ai pas des pots assez gros. Quoique, attends. Oh, c'est trop cool. Oh, vous allez rien y voir parce qu'il y a ma main en plus. Je veux pas le lâcher. Hop hop hop. Ah, mais ça pourrait le faire. Oh là 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 là. Je vais me les mettre devant la fenêtre. Je vais essayer de les installer et de vous les montrer. Je ferai ça tout à l'heure. Tranquillou. Oh, mais oui, carrément. Trop cool. J'adore. C'est typiquement le genre de truc auquel je ne pense pas. Ma belle-sœur a un jardin où elle installe plein de trucs de déco en métal et autres, et c'est super beau. Et moi, je pense pas à m'offrir des choses comme ça. Ah, je vais trouver dans ces pots-là. Je vais trouver à les planter par là. Ça va être canonissime! Et c'est encore hyper varié, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai reçu jusque-là, mais je suis. C'est exceptionnel, j'y pensais hier. Je pense que ce sera un des derniers Vlogmas. Disons que pour au moins l'année prochaine, vraiment, je vous dis, je ferai pas de Vlogmas. C'est vraiment pas prévu. Parce que comme ça m'enlève une charge. Et puis, en fait, ça m'enlève deux charges. Et ça m'enlève le grand bonheur que c'est d'ouvrir tous les jours des choses. Mais j'ai décidé d'alléger. Donc, j'avais déjà décidé il y a 2 ans de ne plus faire de cale. Je vais plus rien. Vous allez dire, mais Claire, tu vas plus rien faire. C'est faux. Je vais faire d'autres choses, mais je vais mettre l'accent sur d'autres choses. Et donc, je vais m'alléger en ne préparant rien. Ou alors, peut-être des trucs en famille ou des trucs comme ça, quoi. Mais ça ne veut pas dire que je vais rien préparer du tout. Mais en tout cas, le vlogmas avec la vidéo une fois par jour, bien sûr, ma chérie, j'ai pas prévu. Alors, attends. Pardon, j'ouvre le petit. Regarde, j'ai eu 3 champignons, toute une famille. Regarde. C'est beau, hein? Et c'est pour mettre dans les pots, là. On va décorer les pots. On va mettre le papa, la maman, le bébé. Ok? Il y a Alma. Claire et Clo-Clo. Ton papa, il s'appelle Clo-Clo? Non, on peut dire que Elle te manque, Clo-Clo, hein. qu'il y a Alma, toi et Clo-Clo et mon papa est au boulot. Ah, il est au boulot, papa, d'accord. Bon, sa cousine lui manque parce que comme on est malade, je préfère qu'elle vienne pas. Mais bon, là, ça va, ça en train de passer. Donc. Et donc, j'entends beaucoup parler d'elle. Et donc, hop, papa, il est au boulot. Alors. Quelques soucoupes pour y accueillir des fleurs sur un verre. Mais c'est génial. Et donc, ce n'est pas des bobèches pour faire des boutures. La bobèche, généralement, a un trou au milieu. Même si je pense que si tu mets une seule tige en enlevant doucement, tu dois pouvoir ne pas abîmer les choses. Cette idée est trop bonne. En plus, j'ai des jolis verres. Et j'aime beaucoup faire ça. En fait, j'ai pas de vase. Donc, forcément, je mets des. J'ai très peu de soliflores, je les aime beaucoup, mais j'ai des soliflores en terre cuite. Et c'est une idée géniale, très 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 bonne idée. Et vraiment, ça va être magnifique surtout. Alors, regardez un petit peu les détails. Donc, celui-là est plus en losange avec des formes géométriques un peu anguleuses, là. Ici, on a vraiment les petites bulles. Qu'est-ce que ça me touche que. Vous ayez fabriqué des choses pour moi. Et alors, il faut savoir que c'est un de mes grands rêves, la céramique. Mais que vraiment, je ne me l'accorde pas. Parce que je fais déjà trop de trucs. Et alors là, vous me rajoutez l'envie de faire du brick stitch. En plus, j'ai commencé à regarder hier. Et je ne suis pas la seule, hein, parce que vous avez été plusieurs en commentaire à me dire: Ah, mais donc, ce brick stitch, ça a vraiment l'air sympathique. Ben oui, ça a l'air sympathique. Et. Bon, ça j'en rêve, j'avoue, mais ça viendra peut-être plus tard. Surtout que dans le coin, il faut vite faire de la route pour ça et que j'ai pas encore pris
pris le temps de prendre une soirée pour moi dans la semaine pour faire quelque chose. Mais si je me remets à faire ça, ce que j'aimerais, c'est arriver à faire du yoga chez moi plus souvent qu'une fois par semaine. Vous avez vu, j'ai pas dit tous les jours. Et arriver à faire une activité créative pour moi. Et moi, je penserais à de la poterie, de la céramique, voilà. Clairement. Donc voilà. Ça me fait plaisir, Anne-Sophie, d'autant plus que c'est une chose qui me fait vraiment rêver. Et ce genre de petite chose est très précieuse. Et je suis très contente d'avoir compris que j'allais pouvoir les utiliser tout de suite. Parce que moi, j'étais partie pour attendre la belle saison. Alors que pas du tout. Il ne va pas y avoir besoin. Dès que j'ai fini la vidéo, j'essaye de les installer. Un livre pour Alma, des gourmandises de Nancy. Quelle joie de préparer tout ça. Merci pour ce joli échange et merci à toi Anne-Sophie. Vraiment, vraiment, vraiment. Des bouts de vous comme ça qui m'arrivent. C'est ce que je ressens, quoi. Vous avez mis du vôtre dans vos cadeaux. Et là, Anne-Sophie, j'aime tout jusqu'à la très, 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 très belle carte. Et donc, si ça me fait penser au cadeau de Noël, c'est qu'on a trouvé des illustrations pour Alma. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'ai trouvé des cadres avant Noël. Et Noël, c'est dimanche prochain. Il y a des trucs à faire cette semaine. Et c'est très 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 beau. Et c'est le genre de choses que j'aimerais bien accrocher. Il faut savoir que je suis une fanatique de cartes. J'ai une collection énorme. Et je compte me construire un porte-cartes parce que j'en avais acheté un. Mais en fait, ça, les trucs en métal. Mais en fait, ça ne convient pas exactement à ce que je voulais. Et voilà. Donc, à une époque, je dépensais des fortunes dans les magasins des musées. Parce que ça me faisait mon petit musée à moi. Donc j'ai toute une collection comme ça, plus art contemporain, et il n'y a pas que ça, parce que je suis aussi fan d'illustration, donc voilà, donc vraiment j'adore. C'est un écureuil en hiver, on a le goût, c'est vraiment très beau. Et alors, c'est Kate Hayes, H-E-I-2-S, l'illustration, du coup ça peut être sympa que je le lise. Vous voyez là. Hop. Voilà. Alors, il faut qu'Alma ouvre ce livre. Mais vous savez quoi, je vais le garder pour tout à l'heure. Parce que là, elle est tranquillou de son côté. Donc, je dis ça. Ma chérie, il y a un truc pour toi. Est-ce que tu es en train de jouer avec la colle? Non? Qu'est-ce que c'est que tu as la main? C'est de la colle. Que fais-tu? Oui, mais moi aussi. Et le tube de colle m'a échappé parce qu'on en a eu besoin l'autre jour et il est resté dans sa chambre. Alors je vais faire une petite pause pour aller voir ce qui se passe quand même. Parce que vous voyez quoi. Alors, je vous montre. Avec, je vais pas du tout retrouver les noms parce que j'ai pas de tête en ce moment. Chefflera, mon Chefflera qui est enfin parti, pareil, lui il a mis un temps fou à partir. On est en contre-jour, mais j'ai mis la maman, je dirais. Juste à côté, du coup, le bébé sous mon bégonia et ses magnifiques feuilles pourpres. Est-ce que c'est pas trop joli? Et ici, là, dans ma belle petite crassula, le papa qui regarde le paysage. Avec là-bas le cactus. J'adore, c'est magnifique, c'est une idée de génie, Anne-Sophie. Voilà, je suis complètement fan, j'adore. Alors, regarde un peu ce papier de chouchou. On a là. On est en pyjama avec une couronne. Hein. C'est dimanche, les gars. Alors, je vais juste ouvrir doucement parce que je trouve très joli ce papier. Alors, je vais t'aider, d'accord? Tu as vu, c'est un papier plein de sorcières. Avec un crapaud qui a une couronne aussi. C'est bizarre. C'est bizarre, vas-y. Un livre. Qu'est-ce que... Oh, génial! On l'a pas. Mishka. Eh oui, un des classiques du père Castor. Oh là là, génial. On l'a pas celui-là. C'est l'histoire d'un ours, mon cœur. Il est très très beau. J'ai failli te le prendre il n'y a pas très très longtemps. Vous connaissez?
Mais maman, on a un gros livre de ça. On a un gros livre du Père Castor, mais il n'est pas dedans, Mishka. En fait, je lui ai pris un recueil avec plusieurs. Il n'y a pas Mishka dedans. Ouais, mais c'est pas celui-là. Eh ben, tu dis merci à Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Ça lui fait plaisir. Elle était gentille de te faire un cadeau. Merci beaucoup Anne-Sophie. J'ai un mal fou à lui faire dire merci aux autres. Pourtant, elle le dit à l'école, la maîtresse nous a dit, il n'y a aucun problème avec ça et tout. Mais alors, que ce soit en vidéo ou à quelqu'un en direct en face, voilà. Donc, ne te vexe pas. Et effectivement, j'ai acheté un recueil des contes du Père. Je suis encore en train d'essayer d'enlever l'étiquette pour me garder cette belle pochette, qui est en fait une pochette carrément, donc c'est parfait parce que je vais la garder. Oui, bon bref, des histoires. J'avais hésité à entreprendre le Mishka et prendre l'histoire de la galette qui roule, qui roule, qui roule. Voilà. Bref, donc merci beaucoup. Et tu es tombée juste parce qu'en plus on l'avait pas. Donc c'est super. Et donc voilà, les champignons sont déjà bien en place. Ça m'a rappelé qu'il faut que j'arrose ces plantes-là. Parce que mine de rien, le feu chauffe bien et je dois quand même arroser. J'ai le palmier qui fait la tête. C'est pas un palmier. Oh là, quand je vous dis que je perds les noms. Le papyrus. Il penche complètement d'un côté et je pense qu'il n'a pas assez d'eau. Il faudrait que j'investisse dans des hoya. Mais c'est pas prévu pour tout de suite, donc il faut juste que je me rappelle de bien arroser. Alors j'espère que tu ne seras pas déçu qu'il ait rien compris pour l'emballage, parce que j'adore ton tissu. Vraiment, j'adore ton tissu. Et c'est un très beau coton, vraiment magnifique. Donc il en sera fait quelque chose. C'est net. Oh, je sais pas si vous avez vu comme. Ouais, voilà. Vraiment magnifique. Alors, un sublime colis. Un sublime colis, Anne-Sophie. C'est magnifique. C'est pas compliqué. Je me répète, mais c'est vrai. Et mes amaryllis sont en fleurs. Mais c'est vrai qu'en ce moment, des fleurs à mettre là-dedans, je sais pas si je vais en trouver beaucoup. Même si j'avais eu en tête de... J'étais partie cueillir du hou à l'époque où j'ai fait les photos pour la collection de Noël. Je me disais, je pourrais faire ça, des petits bouquets de hou. Et donc, je pourrais faire version hiver avec des branches de hou. Ça pourrait être joli aussi, on verra. Je vous le filmerai si je le fais. Alors, on va passer au cadeau Terre de Bleu. Et donc aujourd'hui, 18, ma fontaine fleurie a vue sur la Loire. Vous la voyez, la fontaine fleurie? Alors là, j'ai un peu galéré. J'ai pas compris tout de suite que c'était une fontaine. C'est le côté fleurie et Loire. Je me suis dit, ça doit être ça. Et comme heureusement, elles m'ont mis les numéros dessus, c'était ça. Vous me direz, il y en a quand même moins qu'au départ. Alors. Oh là là, oh, j'ai cru que c'était du tissu, mais non, mais c'est fait en tissu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce merveille. Une pour chaque membre de la famille. Oh mon Dieu, que c'est beau. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh là là, que c'est beau. Mais alors, c'est un origami en tissu, dis donc. Alors, d'abord parlons du tissu, quoi. Juste sublime. Est-ce que c'est celui-ci que j'ai acheté chez Rosaline et Suzanne? J'en ai acheté un qui ressemblait à ça. Et là, tout de suite, je ne sais pas si c'est exactement le même. Vous le voyez là, les carrés? Non, mais c'est sublime. Bon, ça peut être canonissime. Même si ça mériterait d'aller un petit peu au mur quand même. Alors donc, il y en a trois. Waouh. Oh là là, il est trop beau celui-là aussi. Oh, ce côté encore plus avec les petites fleurs là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est quoi ce pliage de fou? Parce que c'est épais, hein. Vous connaissiez ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Ce truc est génial. Alors, ça doit être une grande bande qui est pliée. C'est fantastique.
Mais c'est trop beau. Oh là là, mais je suis complètement pourrie, c'est magnifique. Oh là 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 là, je craque complètement là. Ça, je peux les suspendre au-dessus de la cheminée. Est-ce que je peux... Je regardais s'il y avait des peignoirs aussi encore, mais non, maintenant ça y est. Alors c'est pas très chic parce qu'il y a des sacs, mais vous voyez là au-dessus de la cheminée. Alors je mets pas grand-chose parce que ça fait quand même de la poussière, mais là, le temps des fêtes, je me disais, on n'a pas mis de guirlande, mais bon, ça peut encore venir. Et on pourrait se mettre nos étoiles comme ça au-dessus de la cheminée. C'est magnifique. On est d'accord que ça fait origami, quoi. C'est... J'adore. Vous êtes géniales, les filles. Vous êtes géniales. Il y a une créativité, une recherche, on s'ennuie pas du tout, quoi. C'est... Et là, alors, le choix des tissus est magnifique. Et ça va beaucoup plaire à Alma. Orange et rose. Alors, Cours-sur-Loire, du coup. Cours-sur-Loire, aujourd'hui. Le château de Cours-sur-Loire, dont la façade sud est tournée vers la Loire, a été construit par le trésorier du roi Louis XII. C'est non loin de ce château que Sainte Radegonde, épouse de Clotaire Ier, se serait arrêtée lors de son voyage entre Paris et Poitiers. Elle aurait doté cette source de propriétés curatives. Et comment qu'elle a fait? Hein? Sainte Radegonde. C'est génial, alors il faut aller se tremper dedans. Ce qui explique la tenue d'un pèlerinage au mois d'août. On y va pour se promener au bord de la Loire et profiter du paysage. C'est la balade des locaux quand il fait beau. Ben oui, tu m'étonnes. Je sais pas si vous avez entendu, il vient d'avoir un énorme bruit. Je sens que le rangement de la chambre a périclité. Rest in peace. Rangement de la chambre d'Alma. Est-ce qu'elle va arriver en disant non? Bon, alors moi, je vais vous laisser là-dessus pour ce dimanche. Et je suis ravie. C'est sublime, vraiment sublime. Et j'ai installé mes champignons. Je vais réfléchir si c'est une bonne idée, cette histoire de houe, parce que j'ai souvent envie... C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est fou comme tu as tout de suite des idées avec les cadeaux que tu reçois. Depuis que je suis toute petite... D'abord, recevoir des cadeaux, c'est quand même trop cool. Donc, j'essaye de leur faire honneur, quelle que soit la taille du cadeau ou autre. Et d'en profiter tout de suite. Et donc, c'est vrai que me projeter, je trouve que c'est une façon de remercier la personne pour qu'elle voit bien que, effectivement, je suis très touchée, qu'elle ait pris la peine de me faire un présent et un cadeau. Donc, c'est vrai que j'aime me projeter comme ça. C'est pour ça que j'aime bien ouvrir les colis. Et c'est pour ça que j'avais proposé pour le troc d'ouvrir les colis, parce que c'était une façon aussi de remercier les personnes qui participaient. Et je trouve que ça décuple le plaisir d'ouvrir un cadeau, d'arriver à se projeter dedans. Même si après, se passe ce qui se passe. Hein. C'est un tissu, je peux réussir à me projeter tout de suite et puis me dire... Et puis finalement, je sais très bien que c'est des chances que ce soit autre chose qui se passe avec. Mais bon, le plaisir de l'un n'empêche pas l'autre. Du coup, je vais effectivement... Alors, regardez, soit si je les mets dans le sapin qui commence à être un petit peu chargé, soit si j'arrive à les suspendre, ne serait-ce qu'au-dessus de cette fenêtre-là aussi, c'est possible. À voir. C'est magnifique. Et je leur demanderai de quoi il s'agit. Est-ce que effectivement ça part d'un pliage d'origami, ou est-ce que c'est une technique, je sais pas, de patchwork par exemple? Magnifique. Et puis alors ce choix de tissu, c'est sublime. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vous laisse. Je vais faire le montage en têtant des bergamotes de Nancy. En plus je voulais me faire un thé juste avant là pour tourner cette séquence. Et finalement, j'ai réalisé que ma bouilloire avait besoin d'être détartrée. Donc elle est pleine de vinaigre, alors il va falloir que je boive froid. Voilà, les bergamotes vont me consoler. Sur ce, donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, parce que je pense pas poster cette vidéo trop tôt, du coup. Et je vous dis à demain, évidemment. Allez, bisous bisous. À la prochaine. N'hésitez pas, s'il reste des questions à me poser, à les mettre en commentaire, évidemment. Ciao, ciao, à demain.